Salut à tous, c'est bien Mécanis31 et on se retrouve sur F1 2017. Oui, F1 2017, vous avez bien entendu. Jeu qui me tentait vraiment, mais avant de voir qui c'est qu'on va prendre comme équipe pour cette carrière, parce que je vais faire une carrière, je vais vous parler. Oula, attendez, qu'est-ce que c'est? Ouais, on accepte, on s'en fout. Oh là, ça par contre, allez, let's go. Oh, c'est quoi tous ces réglages là? Oh, ils sont chauds, ouais, au maximum. Oui, du coup, on va choisir le pilote et tout. Et pour le rythme des vidéos, le F1, ça sera tous les mardis à 18h. Ensuite, la carrière manager, ça sera tous les samedis, même s'il y a eu un petit bug à la précédente. Il y aura toujours les reviews le jeudi et les packs fut champion le vendredi. Du coup, ça peut faire 4 à 5 vidéos par semaine si je fais un délire, etc. etc. Du coup, l'avatar, comment on choisit? Je suis un peu perdu. Ça fait allez, à peu près 10 ans, j'ai pas joué à un F1 2017. Du coup, il faut être assez indulgent avec moi si je suis mauvais ou pas. Du coup, mince, comment que ça, qu'est-ce qu'on peut prendre comme truc? Oui, ils sont tous un peu chelous. Ouais. On va prendre lui, je pense. Allez, on va prendre lui. Il a une bonne tête. Le casque. Je sais pas du tout si je vais faire une course ou pas. Parce que si la vidéo est trop longue, j'ai peur que vous vous ennuyiez. Le casque, qu'est-ce qu'on peut prendre? De toute façon, j'ai déjà les couleurs. Oui, c'est quoi ces casques? Propre. Stylé ça. Vas-y, on va prendre ça. Ah mince, on peut pas le personnaliser. Je voulais le personnaliser, du coup on va prendre ça parce que je sais déjà les couleurs que je veux. Hop, ça, on va le faire en violet. Qui voudra comprendra. Non, par contre non, pas ça. Bim. Non, là non plus. Voilà. Il y en a qui comprendront, mais pas tous. Saturation, ça, on va faire en blanc. Mais il n'y a pas blanc apparemment. Dur, c'est quoi ça? Ah, c'est noir. Dur, 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 dur. Ah, blanc, parfait. Et ça, on va le faire en rouge. Nickel, saturation. Bon, c'est au maximum, apparemment. Non, là non plus. Hop, parfait, voilà. Pays. On sait tous qu'on est français, donc on prend la France, ensuite numéro de pilote, il n'y a pas le 31 comme par hasard. Oh là 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 là. Voyons s'il y a le 12, vu que c'est mon chiffre préféré. Voilà, 12, c'est parfait. Et du coup, je crois qu'on est bon. Prénom, on va marquer, pardon, Mika, allez, vas-y. Et non, Mikanix, t'inquiète, c'est ça. Peut-être on peut marquer Mikanix, c'est 31. Quoi qu'on va faire ça, on va marquer Mikanix, si c'est votre prénom, hop. Mikanix, hop. On marquera 31 en dessous. 31, bim, voilà, on s'en fout. Votre nom ne peut contenir. Oh là 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 là, vas-y, ça saoule ça. Oh, je suis perdu, je suis déjà perdu. Bon, on va remarquer Mika alors, hein. Mika, bim. Et Mikanix, de toute façon, on s'en fout un tout petit peu. Et bim, voilà. Nom abrégé, MK. N, MKN, parfait. Accepté. Et on est parti pour voir. C'est où qu'on peut voir. Je sais pas. Bon, ben. Grand Prix, carrière, c'est parti. Je sais pas si on peut choisir. On peut pas choisir, apparemment. C'est où? Ça doit être dans les. Ah, je suis perdu. Je suis perdu. Peut-être qu'il y en a qui m'aideront. Bon, on va faire ça. Mais je voulais choisir le nombre de tours. Enfin, le truc. Le pourcentage réel, du coup, je vais vous montrer toutes les équipes et j'ai déjà fait mon choix vu que j'ai vu des vidéos. Donc, Mercedes, parce que je vais tout montrer, je suis pas un rat. Objectif de l'équipe pour Mercedes, c'est se maintenir en haut de classement, remporter le championnat pour Ferrari. Oh, ils sont chauds, eux. Retrouver le chemin de la victoire pour Red Bull. Ensuite, pour Williams, c'est dominer le milieu du peloton. Ensuite, atteindre le podium. Oh, ils sont chauds, Force India. Renault se hisser en haut du classement. Devancer les adversaires en milieu de grille. Haas, c'est faire preuve de constance. Ensuite, obtenir des gains de performance pour McLaren. Et marquer des points régulièrement pour Sauber. Donc, du coup, j'hésitais entre Toro Rosso, Haas,
McLaren et Sauber, mais vu que j'avais vu des vidéos, tout le monde apprend McLaren pour les joueurs anglais, enfin les youtubeurs anglais. Sauber, j'avais vu, c'était marqué des points régulièrement. Donc voilà, on va pas trop se chauffer vu que notre niveau, je pense qu'il doit être un peu merdique. Toro Rosso, c'est quand même être dans le milieu de grille, donc c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai choisi As. À mon avis, c'est une bonne équipe, c'est pas la plus mauvaise, mais bon, c'est une équipe assez raisonnable. Après un bon début de saison, l'écurie a réussi à atteindre le milieu de peloton. Son objectif est de consolider sa place au classement et de devancer progressivement ses adversaires. On n'exige pas de pilote un rendement excessif, mais l'écurie compte bien s'appuyer sur ses talents pour marquer des points tout au long de la saison. T'inquiète, poteau, Romain Grosjean, t'inquiète, commencer la carrière, Khalifa, voilà. Distance course 25%, parfait. Tour de mise en grille, je ne sais pas du tout ce que c'est, on va laisser. Départ de course manuel, aide, on va mettre aide vu qu'on est nul. Qualification en un tour, qualification courte, courte. C'est quoi qualification? La position des qualifications dépend d'une seule séance. Ouais, c'est cool ça. Niveau de l'IA, on va pas mettre facile quand même. On va mettre, il n'y a pas moyen. Difficile, non. On va mettre moyen, on va mettre allez, à 52. Ensuite, qu'est-ce que c'est l'activation de Courrier Pro? Modifie le format du week-end et les aides. Non. Tour de mise en grille, ça me. C'est pas ça, ça me trouve. Je trouve que c'est un peu bizarre ça. Ouais. Voyons si on fait ça, c'est quoi ça? Oh non, ça c'est pourri en fait. Hop, oh, je suis perdu. Je vais pas vous mentir, je suis perdu. Qualification courte, ben, je crois qu'on est un peu bon, oui. On est bon, allez, let's go. On est parti pour cette carrière. Fermer les paramètres. On a obtenu un petit trophée. Qualification courte, ok. Météo, préférence, paramètres de la course, c'est quoi ça? Oui. Règle par fermé, dégâts de véhicule complet, t'inquiète, nous on joue. Départ de course, tour de mise en course, ouais, c'est cool. Bon, je découvre comme vous, hein. Franchement, je découvre comme vous. Hein. Commencer la session, ouais, du coup, on va faire les essais libres. On va faire les essais libres, sinon ça va être un peu trop court, ça ferait 6 minutes, du coup, voilà. Ah, peut-être on va voir une cinématique aussi, je sais pas du tout. Voyons ça. Peut-être on va être accueilli par Jeff, il me semble qu'il s'appelle le gars. Voyons. Bon, quand ça veut. Chargement, génial. Je pense que je ferai pas de coupage. Enfin, peut-être que je ferai des coupages. Dites-le-moi dans les commentaires pour les courses ou quoi. Je sais pas du tout. Parce que je pense qu'il y a des moments, ça sera un peu long s'il se passe rien par rapport... si je fais pas les meilleurs temps, le meilleur tour, les meilleures sections et tout. Ça peut être un peu relou. Du coup, on va regarder la cinématique avec la meuf, là. T'inquiète, je vais te mettre la caquette. Emma va me faire signer le contrat, t'inquiète, on est là. Mais l'écurie se réserve le droit de résilier en cas de performance décevante. Vous êtes second pilote, mais avec de bons résultats. Je vous trouverai... Voilà, c'est ça pour ça qu'il fallait faire gaffe, il fallait pas prendre une écurie trop forte parce qu'on peut se faire tège. Hein. C'est ça le problème, c'est pour ça que j'ai pris As, ça peut être intéressant. Hein. Merci Emma. Bon, j'ai un peu trop parlé peut-être, mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire, c'est mon état d'esprit, et nous, on est chaud, on veut tout casser. Mika, bienvenue dans l'équipe AS Fun Team, c'est un plaisir de vous accueillir au sein de l'équipe, nous avons hâte de travailler avec vous au cours des prochaines saisons, vous allez commencer en tant que deuxième pilote aux côtés de votre coéquipier Romain Grosjean, t'inquiète, on le connaît, c'est la France, au moins il y aura trois Français en Formule 1, c'est un peu aussi grâce à Grosjean que j'ai pris à As, ça a été un de mes choix. Ensuite, ça me dit, nous souhaitons que vous collaborez au maximum en vue d'aider l'équipe au développement de la voiture. À vous de marquer des points cordialement, la direction de l'écurie. Ok. Ordinateur portable, voyons ce que ça dit, si j'y comprends.
Cet ordinateur portable vous permet de gérer votre carrière quand vous n'êtes pas sur le circuit. Prenez le temps de vous formaliser avec les options et les informations disponibles, j'allais dire indisponibles. Quand vous serez prêt, rendez-vous au garage de l'équipe pour préparer vos premières séances d'essai. Ok. Pneumatique super tendre, c'est le jaune, il me semble, ou ultra super, je sais pas du tout. Ouais, vous me direz, temps 5 sur circuit. Ouais, ok. Gestion du véhicule, c'est quoi ça? Ça doit être les améliorations, je pense. Durée de vie du moteur 94, ok. J'aurais dû lire peut-être, je sais pas du tout. Je pense que c'est les améliorations, reconnaissance du circuit, nouveau, gestion des pneus. Ouais, ça, c'est les objectifs qu'on a à faire. Et du coup, voir la vidéo, on s'en fout. Aller à essai libre, ok. Ouais, c'est tous les objectifs qu'on doit remplir et regarder aux alentours. Stylé quand même, posé sur une petite terrasse et tout, au calme. Ok, bah, du coup, bah, on va aller directement aux essais libres, je pense. Aller aux essais libres, allez, let's go. Je pense qu'il va falloir remplir des objectifs, en fait. J'en sais rien du tout. Ça patiente. Par contre, là, mince, comment que ça s'appelle? Je pense que dans les prochaines vidéos, je ferai que les courses. Je crois que je l'ai déjà dit ça parce que les essais libres, c'est juste pour la première vidéo. Je pense que ça doit être assez chiant à regarder. Le plus important qui vous intéresse, pour moi, ça doit être la course. Ok, bon, on s'en Bienvenue à fout, on Toyota passe. Yaris. Allez, let's go. Dans le monde Qu'est-ce que ça impitoyable, dit? Séance d'essais libres. Dans le monde impitoyable de la l'essai Formule 1, libre est la une séance étape d'essais libres est une étape indéniable incontournable de pour tout votre carrière week-end de Grand Prix lors de votre carrière de F1. Vous pourrez mettre à profil ces essais libres pour terminer de la piste des programmes et d'entraînement. Ils vous permettront de vous familiariser avec la piste et d'obtenir des points puissance de d'essai pour développement de optimiser la puissance monoplace. Vous pourrez aussi effectuer des réglages sur votre voiture Bonjour, durant je suis les... l'ingénieur. J'ai hâte de Oh, travailler par avec contre, toi. j'entends le mec J'espère que tu parler as pensé à prendre ton dans café. l'oreillette. On a du C'est pain assez sur la relou. planche pour la saison à venir. On va préparer la Par voiture et contre, commencer sur si la piste quelqu'un et on savait verra ça comment là, tourner. qu'il me le dise, hein, ça serait bien là parce que ça va me saouler. Le Jeff, il va me saouler. Allez, départ lancé, on va faire ses essais libres. Si je pouvais le mettre sur la télévision. Oh putain, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Direct, ça commence comme ça. Oh là là, je m'attendais pas. Oh là là là, oh là là, oh le mec il va galérer. Là, on sent que je vais galérer. Oh yo, ça va être dur. Ça va être dur. Ah oui, mais je freine pas aussi. Avertissement, sortie de route, t'inquiète. Oh là là, ça va être compliqué. Je vais pas vous mentir, ça va être compliqué. DRS. Comment on fait pour s'en servir de ce DRS là? Si On n'a pas quelqu'un. entendu, il y a des interférences. Oh putain, mais il me parle carrément au micro. Oh là 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 là, virage coupé. Mais comment on fait pour s'en servir du DRS? Si quelqu'un savait. Ouais, j'y comprends rien. J'y comprends rien, ça va être compliqué. Freine, freine, mon poteau. Oh, on sort de virage. Oh là 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 là, ça va être la galère. Je pense qu'il faudra que je m'entraîne parce que ça va être compliqué. Hop, là, on a pris bien le virage. C'est parfait. Allez, allez. Oh, j'ai coupé le virage encore. Oh, c'est dur, c'est dur. Comment on se sert du DRS? J'aurais dû regarder le didacticiel. Hein. Hop, on est encore un petit peu sorti. Oh, les objectifs, on va pas les réussir. On va pas les réussir, à mon avis. C'est la crise. Bon, ça fait tellement longtemps aussi que j'ai pas joué, je me répète. Hop, là, on l'a bien pris. Là encore, on l'a bien pris. Bon, on a touché le ralentisseur. En fait, je sais pas comment que ça s'appelle. La bordure. Ok. Oh putain, j'ai pas freiné. Je me suis dit, est-ce que le jeu ça freine tout seul? Mais non, apparemment ça freine pas tout seul. Oh là 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 là. Ça c'est dur, hein. Il faut freiner. Ok, maintenant on le saura. Bon, je pense que je vais faire qu'un essai libre. Hein. Je vais pas tout faire parce que je pense qu'il faut que je m'entraîne. Oh là 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 là. Vous allez vous foutre de moi. Oh, c'est incroyable. J'aurais pas dû continuer. J'aurais pas dû continuer. Voyons le temps dégueulasse que Je j'ai n'ai pas fait. entendu, répète le message. Voyons, on peut pas savoir le temps. Meilleur tour. Mais je pense que j'ai réussi, hein. Moi, j'en sais rien. Voyons, on va quitter. Je sais pas. Retourner au garage. Je sais pas du tout si j'ai réussi à faire l'objectif ou pas. Ça me paraît bizarre. Apparemment, c'est en violet, donc j'ai réussi, hein. Regardez aux alentours, réglage. Voyons, gomme recommandée, gestion du pneu.
pneu S. Oh, j'ai été troisième. Ah ouais, mais ils sont pas partis, autant pour moi. Autant N'hésite pour pas à moi. essayer nos programmes d'entraînement dès que tu en auras l'occasion. Ouais, t'inquiète, Je ne crois pas on... tous les lancer sur une même. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on est content. Avance rapide. Hop, allez. Accélère, accélère. On n'a pas trop le temps, à vrai dire. 32, il fait sur le circuit 24 d'air. Ouais, c'est chaud. Piste encombrée, 12. Voyons combien on est au temps. Oula, on est loin. On est loin de ouf. On est 16e. Ouais, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Quoi qu'on va terminer la session, ouais, c'est bon. Au lieu d'avancer Cette fois rapidement, ça sert à rien. d'indication à la fin de Voyons cette combien j'ai séance. fini. Voici à quoi ressemble le top J'ai 3. Vettel, fini. Bottas Wow, il y a et Kimi 14 Räikkönen. secondes. Oh là 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 là. Merci d'avoir C'est nul, assisté à c'est nul. cette séance C'est nul, c'est nul. d'essayement. Il faut Mais s'améliorer. Je retour. pense qu'il faut que je fasse les didacticiels. Hein. Faudra que je fasse les didacticiels. Sauvegarde en cours. Ça, c'est bien. Par contre. Oh là 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 là. Quelle déception. Quelle déception de ouf. Bon, allez, le chargement, c'est long. Ça doit faire 15 minutes à peu près de vidéo, il me semble. Je fais les deux derniers essais libres, à mon avis, et j'arrête. Et j'arrête. Oula. Cinématique, attention. On va peut-être voir Romain. Voyons, Romain. Non, c'est pas Romain. C'est la team. Ah, tu as bien reçu mon message. Parfait. Bienvenue dans notre second foyer. Alors, l'usine nous envoie beaucoup plus de données en temps réel. Elles sont toutes accessibles. Du coup, je passe plus de temps à consulter les rapports qu'à te débusquer au fin fond de ta chambre d'hôtel. À ce propos. Oh, excuse-moi, attends une seconde. Bon, ok, ça nous apporte rien de savoir ça. Oui, c'est Génial. Chris. Je suis occupé là, c'est important? Bon, ben ok, il nous laisse tranquille tout seul comme ça, ok. Genre, il s'en bat les couilles de nous. Ouais, petit bureau, Tu au as calme. accès au réseau depuis ton ordinateur, donc essaye de consulter régulièrement l'écran RD, histoire qu'on sache comment tu souhaites utiliser les données du week-end et celles des programmes d'entraînement. Donc, comme tu as pu le voir, les nouvelles qui nous viennent de l'usine ne sont pas toujours bonnes. Alors, quand un test échoue, parfois, on est contraint d'attribuer des Bon, ok, en positions clair, il veut me secondaires. dire qu'il faut surveiller ce que je veux. Ouais, bon, allez, on passe. C'est la Ah non, on vie, peut pas comme passer. tu Ok, génial. Je voulais passer de surveiller les trucs, les performances, etc. etc. On a compris. Ça, c'est bon. Hop, succès plus 10. Ok, génial. On a gagné des trucs, je sais pas à quoi ça sert. Ordinateur portable, allez. Afficher l'arbre RD. Ouais, c'est quoi ça? Consommation de carburant, puissance du moteur, redistribution des poids. Oh là 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 là. What the fuck? Oh là là. C'est hyper complet ça. Temps de développement. Oh là là, il y a plein de petits trucs aérodynamiques. Oh là 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 là. Je sens que ça va être un jeu hyper stylé. Ah, on peut développer tout carrément. C'est quoi ça? C'est quoi? Longévité, usure globale, on s'en fout. Ça, c'est quoi ça? C'est principal de l'aileron avant, de l'aileron arrière. Oula, c'est cher par contre. C'est au taquet cher. Là, c'est quoi ça? Fond plat central. Non, on s'en bat les couilles. Si jamais on va améliorer le train, hein. Système d'allumage, puissance du moteur. Allez, bim, améliorer direct. Ça, train arrière, on va améliorer. Et de toute façon, on n'a plus rien. Du coup, c'est bon, hein, je pense. Hein. Le reste, c'est quoi? Non, 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 c'est pas ça, on s'en fout. Bon, bref, on va passer à l'essai numéro 2. Je pense que je vais arrêter là parce que là, ça fait au taquet longtemps. On fait le 2 trucs et. Allez, à l'essai 2 libre. Voilà. Oh, il faut que je fasse mieux. Faut que je fasse mieux parce que 14 secondes, c'est vraiment nul. Nul. C'est nul à fond. À fond, à fond. Bon, allez, on s'en fout. On est parti. Let's go, baby! On va galérer. Freine, freine. Je pense qu'il faut que je m'entraîne. Vraiment, je me répète, mais. Oh là, j'ai trop freiné. Oh, c'est dur, c'est dur. Au moins, je suis pas sorti. Ouh là, j'ai pris trop large. Là, j'ai pris trop large. Allez, accélère, mon poteau.
façon, on s'en fout, ça compte pas. Mais comment on fait pour s'utiliser ce DRS là? Si quelqu'un sait là, qu'il me le dise. Hein. Ouh là là, je suis dans la mauvaise caméra. Oh, c'est dur ça. Oh là là, je fais n'importe, je suis perdu. Je sais pas du tout comment on l'utilise le DRS s'il y en a qui connaissent le jeu. Ouh, je m'améliore. Là, je suis pas encore sorti, ça c'est beau. Bon, on sort un petit peu, on touche sur les côtés, mais rien de grave pour l'instant. Ouh là, par contre là, je suis sorti à mort. Ah, mais j'ai cassé la voiture aussi. Ok. Ok, j'ai à peine un petit peu touché, ça y est, c'est mort. Ok, ok. Oui, on sait qu'on s'est craché, on sait. Oh là 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 là. Recommencer la session, on va recommencer, allez. Êtes-vous sûr? Oui. Parce que là, c'était vraiment gaze. Là, c'était vraiment gaze. Et après, j'arrête, je m'entraînerai. Je vous jure que je m'entraînerai parce que là, c'est du foutage de gueule. Hein. Pourtant, j'avais bien commencé sur ce tour-là, mais... pas famous, quoi. Là, regardez, je prends bien les trajectoires, mais à peine on touche l'herbe, c'est foutu, hein. Regardez, là, je passe bien. Nickel. C'est parfait. Allez, accélère. Hein. Mais le DRS, je sais pas comment on s'en sert. J'appuie sur le triangle, ça veut pas. Ouais, ça, on s'en fout. Bon, je touche un peu tout, c'est vrai. Oula. Pourquoi j'ai freiné si tôt? Je suis con un peu. Là, on prend bien le virage, nickel. De toute façon, notre position, je pense que, sans mentir, avec As, c'est vers... Oh, bien pris là. C'est vers les 13-14e. Hein. C'est pour ça que j'ai pris cette écurie, pas trop d'ambition. Hop, parfait. Là, on a pris vibreur. Voilà, c'est le vibreur que ça s'appelle. Maintenant, je m'en suis rappelé. Hop, on freine dès que c'est un petit peu jaune. Ok. Je commence à comprendre le système. Pour l'instant, on n'est pas sorti. Ça, c'est bien. Je pense que c'est un jeu qu'il faut beaucoup d'entraînement. Oula, j'ai failli aller dans la pelouse. Tout est normal. Freine. Re-accélère. Poteau. Hop. Magnifique, ça. Pour l'instant, pas d'erreur. Par contre, j'ai pas pris la ligne verte. Et ça, c'est n'importe quoi. Oula, je suis allé dans la pelouse. J'ai failli avoir encore un petit accident. Hop, on prend bien les virages, ça c'est cool. Bon, on touche un petit peu les vibreurs, mais c'est pas grave. Hop, nickel. Verstappen, une 31. Et nous, oh là là, je suis sorti, là c'est dur. Là c'est dur. Voyons si on va arriver pas loin. Allez, allez, accélère. Si j'ai le DRS, j'aurais pu y aller. Putain, un 33, un 34, un 35. On est loin. Mais j'aurais pu gagner deux trucs. Objectif atteint, ça c'est bien. Nickel, du coup, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, ça fait plus de 20 minutes qu'elle dure la vidéo. Du coup, on va s'arrêter là. On se retrouvera. Voyons, on peut pas voir info session. Juste combien j'ai fini. Je pense que j'ai pas bien fini, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voyons combien j'ai fini. Ça, c'est dur. Je suis dernier avec 9 secondes alors que j'ai fait un bon tour. Mais c'est le DRS aussi. Oh là 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 là, c'est nul. Pourtant, j'ai fait un bon tour là, j'avais pas fait de trucs trop graves, pas de sortie de piste ni rien. Mais c'est le DRS. Le DRS, ça pourrait me faire gagner 2 à 3 secondes s'il y a quelqu'un qui sait comment activer ce DRS parce que j'ai appuyé sur le. Mince! Oh, j'ai quitté le con. Ah bon, c'est pas grave, c'est AS Libre numéro 3. S'il y a quelqu'un qui savait comment on active le DRS, j'ai essayé L1, R1, L2, R2, le triangle, le rond, mais ça fait que dalle, donc voilà. Bon, bref, je vais arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like. Je mettrai plus sur cette série, lâche un like à la fin de la vidéo marqué en bas. C'est vous qui décidez, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à partager. C'était juste un petit peu de gameplay avant de vraiment rentrer dans la compétition pour vous montrer l'écurie que j'ai choisie. Et sur ce, moi je vous dis à mardi. Bye bye.